OK. Et si vous avez des questions à poser pendant la présentation, vous pouvez les poser dans la fonction de QA de Zoom ou dans le chat et nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. Alors, aujourd'hui, c'est mon plaisir de vous présenter notre invité, Hubert Lalonde. Depuis plus de 30 ans, Hubert Lalonde ouvre dans les domaines de l'éducation, de l'édition des ressources pédagogiques et de l'apprentissage numérique. Il a dirigé de nombreuses équipes de développement de cours en ligne pour les niveaux d'enseignement secondaire, collégial et universitaire. Par la suite, à titre de gestionnaire de programme des initiatives francophones du Campus Ontario, il a géré des projets novateurs en apprentissage expérientiel, des projets de développement des ressources éducatives libres, mais aussi des projets de micro-certification sur la blockchain. Depuis le mois d'avril 2020, Hubert travaille à l'Université d'Ottawa. D'abord à titre de gestionnaire du développement numérique et depuis le mois de mai 2021 à titre de directeur de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage numérique au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Hubert est également en charge d'initiatives Innova. Je vais maintenant passer la parole à vous, Hubert, et nous sommes tous et toutes impatientes de vous entendre. Bien, merci beaucoup, Taylor, pour les présentations et aussi un grand merci à eCampus Ontario pour me donner l'opportunité de vous présenter, de vous partager le projet Innova, un projet de l'Université d'Ottawa. Je trouvais intéressant de vous présenter Innova parce qu'en fait, c'est un projet, oui, de l'Université d'Ottawa, mais qui est ouvert à l'ensemble de la communauté éducative, œuvrant en francophonie en milieu minoritaire. Mais non seulement la francophonie ontarienne, bien entendu, mais aussi toutes les communautés francophones à travers le pays. Et au cours de la présentation, je vais vous expliquer en quoi et comment Innova, même située au sixième étage d'un bâtiment CRX à Ottawa, est aussi accessible et disponible à l'ensemble des communautés francophones. Donc Innova, c'est avant tout un espace de création, de collaboration, de formation et de recherche pour répondre aux besoins d'une éducation moderne. C'est sous cet intitulé qu'on a présenté donc le projet à Patrimoine canadien. Donc, c'est un projet d'envergure. On parle quand même d'un projet pour la phase 1 de 6,5 millions de dollars. Et en termes de superficie, pour vous donner une idée de l'espace Innova, on parle de 1600 mètres carrés, donc à peu près 18 000 pieds carrés. Donc, c'est quand même très, très vaste en termes d'espace. Innova est unique à deux niveaux. D'une part, parce qu'il est, comme je vous l'ai mentionné, un espace d'expérimentation et de recherche pour l'éducation de langue française en milieu minoritaire, donc vraiment un projet dédié à la francophonie en milieu minoritaire, pardon. Mais il est aussi unique dans la mesure où il s'adresse à tous les niveaux d'enseignement. On n'a pas voulu que ce soit uniquement contingenté au niveau du post-secondaire, mais il est ouvert donc au niveau de l'élémentaire, du secondaire et du post-secondaire, et sous-entendu également tous les gens qui œuvrent aussi en formation continue, en formation professionnelle, parce qu'on va beaucoup y parler d'apprentissage expérientiel, de formation continue, de développement des compétences. Donc l'idée d'Innova, c'est qu'il est vraiment ouvert à la communauté éducative et qu'il veut venir accueillir donc des enseignants, des professeurs, des chercheurs qui vont vouloir travailler sur des designs, je dirais, novateurs, appuyés par des technologies de pointe qu'on va voir en détail par la suite. Donc, Innova vise une éducation moderne, pertinente, engageante et de haute qualité, spécifiquement adaptée aux apprenants de langue française. On veut également offrir des expériences éducatives à la fine pointe des technologies, ouvertes aux élèves, aux étudiants et aux éducateurs de l'Ontario et des autres provinces canadiennes. C'est un ajout essentiel donc à l'infrastructure de la communauté francophone, car ce qu'on veut avec Innova, c'est mettre sur un pied d'égalité les apprenants de langue française par rapport aux apprenants de la langue de la majorité. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui manquent de moyens technologiques. On sait qu'en termes de ressources d'appui, il manque énormément de ressources en français. Et c'est donc une des vocations et une des intentions de Innova, c'est de stimuler donc à la fois la recherche et l'expérimentation de technologies avancées dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement, et que tout le matériel soit produit en français et repartagé à la communauté éducative. Et bien évidemment, Innova, d'où le financement de Patrimoine canadien, vient totalement appuyer le plan d'action pour les langues officielles, donc en facilitant, comme je vous l'ai mentionné, la diffusion des connaissances, les méthodes et les outils pour soutenir les éducateurs des minorités linguistiques, et en favorisant et en enrichissant l'éducation des minorités. Donc, c'est vraiment, je dirais,
la base, les fondements de l'initiative Innova. Donc, à l'époque donc de la demande de subvention d'Innova, on a eu, je dirais, des partenaires fondateurs d'Innova. Alors, on a bien entendu eu Patrimoine Canadien avec le financement complété par l'Université d'Ottawa. On a eu le groupe Média TFO, donc connu sous le nom, je dirais, définition légale, l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, qui est à la fois producteur et diffuseur télévisuel, mais aussi producteur de ressources pédagogiques numériques. Et ce qui nous avait intéressé au niveau d'Innova, qui va beaucoup aborder dans la phase 1 toutes les technologies en apprentissage immersif, c'est que TFO avait été précurseur au niveau aussi de l'apprentissage immersif avec le studio qui s'appelle le LUV, donc le studio d'univers virtuel qu'on trouvait intéressant d'aller chercher des expertises au niveau de la création d'Innova. On a bien entendu également eu l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne, donc la CUFC. On a eu le Centre Franco, donc le Centre Franco qui est un éditeur de ressources pédagogiques qui fait également de la formation professionnelle pour les enseignants de l'élémentaire et du secondaire. Comme je vous l'ai mentionné, Innova est également ouvert à ces paliers d'enseignement et on travaille déjà avec des conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Donc, il nous est semblé important que le Centre Franco fasse partie de ses partenaires à l'époque de la demande. On a eu aussi également la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc là évidemment tous les conseils scolaires francophones en milieu minoritaire à travers le Canada. Et on a eu également le CAVELFO, donc le CAVELFO qui est le consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario. C'est donc en fait le regroupement qui diffuse et qui propose tous les cours en ligne aux 12 conseils scolaires de langue française, parce qu'évidemment, on va évidemment parler beaucoup d'intelligence artificielle, mais beaucoup d'apprentissage numérique et beaucoup de cours en ligne. Donc déjà avec ces premiers partenaires d'origine à l'époque de la subvention, on avait déjà de très bons partenaires au niveau du post-secondaire et au niveau de l'élémentaire et du secondaire. Très souvent dans les universités, il y a beaucoup d'initiatives super intéressantes, mais qui se développent en silo, si vous voulez. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Innova, c'est travailler de manière transversale au niveau des différentes facultés, de nos 10 facultés à l'Université d'Ottawa, afin que l'initiative Innova s'inscrive en cohérence et en complémentarité avec toutes les autres initiatives qu'il peut y avoir dans nos autres facultés. Donc, on a mis en place en 2023 un comité consultatif. Qui pour l'instant est un comité consultatif interne, mais il est certain que dans l'année 24-25, le comité consultatif va aussi s'élargir avec des partenaires externes pour que toutes les autres initiatives puissent être recensées et que Innova s'inscrive en complémentarité avec toutes les autres initiatives et surtout qu'il n'y ait pas de duplication au niveau des laboratoires, au niveau de l'achat des technologies, etc. Et que chacun puisse se partager les technologies dans lesquelles ils veulent investir, parce que toutes ces technologies valent très cher. Quand on parle d'apprentissage immersif, d'holographie, d'intelligence artificielle, on a souvent des coûts exorbitants. Donc l'idée, c'est de travailler de manière collaborative et coopérative afin de travailler ensemble pour éviter donc les duplications. À l'Université d'Ottawa, donc, on a dans un premier temps eu la librairie qui a été partenaire du projet Innova. On a eu évidemment l'école de gestion d'administration TELFR, faculté d'éducation, la faculté des arts, la faculté de génie, la faculté des sciences sociales et la faculté des sciences de la santé. Donc, ça n'est pas au complet nos facultés qui, pour l'instant, font partie de ce comité consultatif, mais au fur et à mesure des présentations et des projets de recherche qui sont en train de se définir, ils embarquent progressivement au sein de ce comité consultatif, qui, comme je vous l'ai dit, va aussi s'élargir à l'externe dans l'année qui vient. Donc l'idée, c'est de faire une analyse des besoins, travailler en collaboration sur des projets d'expérimentation, des projets de recherche, et surtout aussi du développement des partenariats et aussi la recherche de commanditaires. Parce qu'évidemment, on a eu un financement de Patrimoine canadien et de l'Université d'Ottawa pour la phase 1, pour bâtir l'infrastructure et les premiers achats d'équipements. Mais par la suite, en termes de budget d'opérationnalisation, on est continuellement à la recherche de financements externes, de partenaires et de commanditaires. Alors, la manière de rejoindre les communautés francophones à l'extérieur d'Ottawa et à l'extérieur de l'Ontario, on a créé un concept qu'on a appelé pour l'instant les satellites Innova. Donc, la vocation des satellites Innova, c'est d'abord de promouvoir une décentralisation des activités d'Innova. Ceci dans un souci d'équité et d'accessibilité, parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a des petites écoles en région qui ont beaucoup de mal
à trouver des ressources ou des technologies très novatrices en termes de, par exemple, d'apprentissage immersif. Et les satellites Innova peuvent se traduire de différentes façons, soit par l'aménagement de salles dédiées dans un établissement d'enseignement qui deviendrait quelque part physiquement le satellite Innova, mais ça peut être également purement virtuel dans la mesure où Innova va mettre en place des communautés de pratique. Vous le verrez plus tard dans la présentation, on va stimuler et promouvoir le développement de ressources éducatives libres et on va aussi envoyer des kits technologiques. Donc les kits technologiques, ce sont en fait des valises technologiques, mais dans lesquelles on va mettre donc des technologies portables, mobiles, qu'on peut facilement envoyer à un établissement en région ou même en région éloignée dans d'autres provinces, dans le cadre de projets de recherche ou de projets d'expérimentation qui seraient soumis à Innova. On va mettre d'ici le mois de septembre un comité d'évaluation et de sélection des projets. On va faire des appels à projets. Et dans le cadre de projets qui sera accepté par ce comité, dans lequel il y aura des professeurs, des enseignants, des étudiants, des élèves, etc., une fois que le projet sera retenu, on pourra envoyer de l'équipement si les personnes en ont besoin en région. Donc, on parle par exemple de casques en réalité virtuelle, on parle de casques en réalité augmentée, on peut parler de systèmes de balayage optique, donc ce qu'on appelle le eye tracking en mauvais français. Mais l'idée, c'est en fait d'éviter que les gens doivent trouver de l'argent et des budgets pour s'acheter ce matériel. On leur mettra à disposition. En contrepartie, encore une fois, un retour au niveau partage avec la communauté. On va tout faire pour que tout le matériel qui sera développé sur place, donc observation, rapport d'utilisation, les scénarios qu'auront développés, etc. L'idée, ça va être ensuite de regrouper toutes ces ressources sous forme de ressources éducatives libres pour pouvoir les repartager avec la communauté. Donc, eCampus va être certainement un partenaire incontournable parce qu'évidemment, il y a d'une part tous les ateliers de formation qu'on va faire autour du développement des ressources éducatives libres pour pouvoir ensuite les partager sur la bibliothèque ouverte de eCampus Ontario et d'ailleurs sur d'autres aussi répertoires de ressources éducatives libres pour qu'au maximum, les communautés francophones en milieu minoritaire puissent y avoir accès. Et enfin, comme je vous l'ai mentionné, donc beaucoup, beaucoup d'emphase sur le développement de ressources éducatives libres. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec l'équipe de la bibliothèque de l'Université de l'Ottawa et les personnes qui sont spécifiquement affectées donc justement à ces ateliers de formation sur les ressources éducatives libres. Alors, l'inauguration est prévue en septembre 2024. Pour l'instant, on a fixé la date du 16 septembre 2024. Et pour l'instant, vous avez un premier aperçu visuel de à quoi ressemble Innova. Donc, on va passer en détail à travers chacun des espaces. Encore une fois, on parle donc d'un espace de 1600 mètres carrés. Donc, on a à la fois des espaces collaboratifs, on a évidemment des salles invitant des espaces de réflexion sur la création, le design, avec même des affichages holographiques. On a deux salles de classe collaboratives et interactives qui vont accueillir des profs avec leurs étudiants ou des enseignants avec leurs élèves pour pouvoir tester des scénarisations pédagogiques qui auront été développées avec l'appui donc du personnel du SAEA. On a deux types d'appui. On a une équipe pédagogique et aussi avec des expertises andragogiques pour la formation aux adultes. Et on a toute une équipe multimédia qui va être là pour supporter et travailler donc avec les enseignants et les profs et les spécialistes pédagogiques pour développer des contenus en réalité augmentée, en réalité virtuelle, les tester, les expérimenter, faire venir les élèves, regarder quel est le niveau d'engagement des élèves et d'intérêt. Et tout ça, on va le mesurer et on va le documenter. Et on a aussi la pièce maîtresse, je dirais, du sixième étage Innova. C'est un cylindre immersif, donc de 9 mètres de diamètre, une projection interactive à 360 degrés qui permet encore une fois des scénarisations intéressantes entre la réalité virtuelle et de la réalité, donc ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc, au sein de ce cylindre immersif, on peut avoir par exemple des étudiants dans les sciences de la santé qui travaillent avec un mannequin au milieu du cylindre immersif. Autour du cylindre immersif, on peut diffuser de vraies scènes de rue avec du trafic, des voitures, du bruit, etc., par exemple, pour que l'étudiant s'habitue donc à une simulation d'une action réelle,
mais en simulation virtuelle. Et évidemment, il y a tout le potentiel au niveau de la médecine, comme je vous l'ai mentionné, au niveau des soins de santé et même au niveau des arts. Donc, le cylindre immersif. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bureaux et de salles de réunion, donc avec beaucoup de mobilier mobile, encore une fois, pour inviter au co-design, design thinking, etc. Et on va garder un minimum de 6 bureaux vides à Innova pour justement accueillir en résidence des enseignants et des professeurs qui pourront rester le temps de leur recherche et de leur travail pour bâtir ces scénarios, toujours appuyés par les équipes du SAEA. Donc, au niveau des espaces collaboratifs, donc, comme je vous l'ai mentionné, invitant et stimulant des activités de design thinking, encore une fois, stimulant également de la collaboration entre des enseignants, des étudiants, des chercheurs dans le développement de ressources pédagogiques. Des collaborations pour des projets d'envergure sur l'impact des technologies visuelles, immersives et interactives sur la rétention des apprentissages. Donc évidemment, toute l'équipe des chercheurs et chercheuses de l'Université d'Ottawa vont être à disposition pour des projets de recherche spécifiques. Il y aura, comme je viens de le mentionner, un accueil des chercheurs enseignants en résidence pour le développement de nouveaux concepts de ressources pédagogiques intégrant donc les technologies proposées à Innova. Et puis, on veut également, comme on veut vraiment que Innova soit ouvert à la communauté éducative, on veut organiser des symposiums régionaux, nationaux ou internationaux, des journées d'échange, des présentations de recherche, des démonstrations d'applications pédagogiques qui auront toutes été développées avec des technologies proposées par Innova. Et enfin, on a aussi l'utilisation de la technologie holographique pour accueillir des conférenciers nationaux et internationaux. On parle de plus en plus du bilan carbone, on parle de plus en plus des coupures budgétaires au niveau des frais de déplacement. Donc, on s'est équipé dans la phase 1 d'un système holographique, je pense, qui est dans les 10 cas en termes de définition d'image en 3 dimensions. Et quand on voit la personne dans ce système holographique, on a vraiment l'impression que la personne est en face de nous. Ça va permettre donc à des élèves ou des étudiants en francophonie minoritaire d'avoir accès à des spécialistes francophones du monde entier sans frais de déplacement ni d'impact des décalages horaires. Et les interactions se font exactement comme si la personne était en face à face parce que autour du système holographique, il y a toute une suite de capteurs qui permet à la personne à distance de voir tout ce qui est communication verbale, non verbale, etc. Donc d'interagir comme si elle était réellement en face de son auditoire. Donc voilà pour les espaces collaboratifs. On a également donc des salles qui sont équipées. Là, vous avez évidemment des représentations graphiques qui avaient été faites par l'architecte. Mais on a donc des systèmes avec des écrans LED interactifs sur tous les murs. On a également donc des tables tactiles interactives qui permettent très souvent à des étudiants ou des élèves de travailler en équipe, en groupe, de faire de la manipulation, de l'exploration, qui permettent aussi de travailler avec des élèves et des étudiants à distance. Toutes les salles sont équipées en système de vidéoconférence pour inviter à la collaboration à distance. Et cela va permettre, encore une fois, de pouvoir collaborer, travailler ensemble avec l'ensemble des communautés francophones à travers le pays et de collaborer sur du co-design pour des ressources pédagogiques qu'on veut partager avec la communauté. Donc, on a deux salles de classe expérimentales, donc équipées avec des grands murs LED vidéo interactifs. Et là, ça va permettre, encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, d'avoir des enseignants qui viennent avec leurs élèves ou des profs avec leurs étudiants, et puis tester donc la scénarisation pédagogique avec les technologies venant appuyer l'enseignement et l'apprentissage. Donc, salle de classe collaborative. Et puis on a également donc des salles de classe avec des toiles murales vidéo interactives. Et évidemment, tout ça sont à la fois des salles de classe, mais également aussi des espaces de formation, parce que cet automne, il y aura une grande emphase sur la formation au niveau de ces technologies, dont certaines sont encore inconnues même à l'Université d'Ottawa. Donc, on a aussi également dans la salle de classe collaborative donc une table tactile qui permet, comme je vous l'ai mentionné, à au moins 8 utilisateurs de pouvoir manipuler, d'explorer et de collaborer donc sur des contenus numériques. Et puis on a donc dans des deux salles, la salle de classe interactive sur toile murale, donc une toile murale vidéo interactive, et ça permet aussi également je dirais le voyage de contenu. Donc un enseignant peut venir avec son ordinateur et sans fil partager directement sur le grand écran
directement tous ces contenus. Et ensuite, les étudiants, les élèves peuvent aller sur place, le manipuler. Et encore une fois, toutes ces salles-là sont équipées avec des systèmes qui permettent aussi à des communautés à distance de participer et de suivre les activités. Le fameux cylindre immersif, qui va permettre la création de ressources d'apprentissage, donc utilisant la réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte. Donc, création, expérimentation de ressources d'apprentissage, donc toujours dans une approche de ludification, gamification, de ludification, c'est ça pour gamification. L'idée, en fait, c'est de toujours bâtir des scénarios interactifs et engageants. Et encore une fois, on va beaucoup promouvoir le co-design avec des étudiants pour que les étudiants fassent partie du processus de création de ces ressources. Donc, il y a également des contenus qui permettent une manipulation, une expérimentation en utilisant la réalité virtuelle immersive. Donc, au centre du cylindre immersif, on peut facilement avoir 5 à 10 apprenants et qui peuvent avoir donc une tablette ou un téléphone intelligent. Et à partir de là, d'avoir donc la projection d'une simulation à 360 degrés et dans le cas d'une scénarisation à branches, de pouvoir faire des choix stratégiques, choix A, choix B, choix C. Donc, on se retrouve confronté à une situation. On doit raisonner comment résoudre le problème. On peut se servir donc d'un appareil tactile comme un téléphone. Et à partir de là, les étudiants discutent entre eux, choisissons la stratégie B. On choisit la stratégie B. On voit quelle est la conséquence du choix B dans un environnement immersif. Et puis par la suite, on peut retester le A, retester le C, etc. Alors, ce qui est intéressant avec nos choix technologiques, c'est qu'on a essayé de faire des choix technologiques complémentaires. C'est-à-dire que le cylindre immersif, où on est vraiment dans un concept d'apprentissage immersif à 360 degrés, peut s'adresser à des petits groupes d'étudiants qui travaillent ensemble et qui raisonnent ensemble au milieu du cylindre immersif. Et en complémentarité, le casque de réalité augmentée ou le casque de réalité virtuelle a tendance quand même plus à isoler l'apprenant. Donc c'est plus une exploration et un apprentissage plus individuel, même si on peut connecter des casques ensemble. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a donc des technologies qui peuvent s'interconnecter entre elles, mais qui sont aussi complémentaires au niveau des objectifs et des usages. Et on a en plus, comme je vous l'ai mentionné, donc l'utilisation de l'holographie dans des scénarios de scénarisation d'apprentissage. Donc, on a donc le cylindre immersif, je ne vais pas revenir encore dessus. Puis, on a aussi un petit système holographique. Alors, ce système-là, vous avez en représentation visuelle, on ne l'a pas encore, mais c'est un de nos objectifs de l'avoir dans la phase 2 des équipements. Celui que l'on a dans la phase 1 n'est pas du tout mobile et ne pourrait pas faire partie des kits technologiques, parce que si vous regardez la porte de votre bureau, comme je suis en train de le faire en ce moment, le système est plus grand qu'une porte en tant que tel, et il est très lourd et aussi très coûteux. Donc, ce système-là ne pourra pas bouger du sixième étage de CRX. Par contre, au niveau de la logistique de production, c'est une technologie qui est compatible avec beaucoup de standards internationaux. Donc, par exemple, un expert en Afrique francophone, en Suisse ou en Belgique, il n'y aura pas de mal de l'autre côté de la planète, dans un studio presque traditionnel avec une caméra, de pouvoir interconnecter les deux systèmes pour avoir le rendu holographique en trois dimensions au sixième étage de CRX. Mais on aimerait avoir aussi des systèmes holographiques plus petits, donc l'équivalent, je dirais, d'un grand écran d'ordinateur, qu'on puisse mettre aussi dans des systèmes, dans des kits technologiques et qui fassent partie des fameuses valises technologiques qu'on enverrait en région. Donc, on a déjà fait des demandes de financement pour aller chercher ce type de technologie plus portable pour que l'ensemble de la communauté puisse y participer et en bénéficier. Donc, je voulais mentionner Innova beaucoup et avant tout un espace de formation, donc soutien du personnel enseignant. Donc, le SAEA, donc le service d'appui à l'enseignement et l'apprentissage de l'Université d'Ottawa, aura la responsabilité de gérer les accès, l'accueil des enseignants, chercheurs et étudiants qui viennent travailler, collaborer à Innova. Et en permanence, on aura une équipe de spécialistes technologiques, multimédia et pédagogiques pour les soutenir. Donc, au niveau des échéanciers, l'inauguration est en septembre et on va accueillir les premiers représentants de collèges, d'universités et de conseils scolaires à Innova pendant l'automne. Et le plan, c'est qu'en cours du mois de juin, juillet et août, nos équipes internes se familiarisent avec les équipements, parce qu'il y a des équipements qu'on n'a pas du tout utilisés encore, et on doit faire aussi également nos apprentissages.
On va également donc proposer des ateliers sur les ressources éducatives libres, donc évidemment avec toute l'équipe de la librairie de l'Université d'Ottawa, qu'on veut évidemment développer et produire sous licence Creative Commons pour être partagé, comme je vous l'ai mentionné, à la communauté éducative, entre autres via la bibliothèque ouverte de eCampus Ontario. Et alors, on dit souvent, oui, mais est-ce que vous allez fermer la porte à des projets super novateurs en anglais, même si Innova s'adresse en priorité à la francophonie en milieu minoritaire? Et la réponse, elle est non. On va accueillir, toujours en donnant la priorité aux francophonies canadiennes, mais on va quand même accepter certains projets de langue anglaise à une seule condition, c'est que tout ce qui sera développé puisse être adapté en français et repartager à la communauté éducative francophone en milieu minoritaire. C'est la seule condition pour laquelle on accepterait des projets en anglais. Donc, Innova est également donc un espace de recherche. Donc, Innova soutiendra des projets de recherche des membres de la communauté de recherche intéressés par les technologies émergentes en leur offrant un accès et le soutien nécessaire. On va mettre en place un programme de recherche, encourageant les chercheurs à soumettre leurs propositions et on les accompagnera dans la réalisation de leurs projets de recherche. Et ensuite, Innova facilitera toutes les collaborations entre les chercheurs de l'Université d'Ottawa et la communauté, ainsi que les organisations francophones. Donc, on soutiendra les projets de recherche partenariales visant à répondre aux besoins de la communauté éducative. Donc, vous verrez en fin de présentation, on a déjà plusieurs projets de recherche qui sont déjà en cours d'élaboration et en demande de financement. Donc, même avant déjà son ouverture, Innova génère énormément de passion et d'intérêt et d'enthousiasme. Et on a déjà des projets avec des partenaires internes et des partenaires externes qui sont déjà en place. Donc, on veut également faire de la recherche de partenaires et de commanditaires parce que, comme je vous l'ai mentionné, on a eu un financement initial pour l'infrastructure et la phase 1 des équipements. Mais vous savez très bien qu'au mois de septembre, quand on aura installé la première phase des équipements, il y en aura déjà probablement au moins 15 à 20% qui seront déjà désuets avec de nouvelles technologies qui ont un potentiel pédagogique qui seront sur le marché, qui va donc va falloir faire l'acquisition. Et l'idée, c'est de trouver des partenaires et des commanditaires pour nous, en fait, nous proposer à la limite même de nouvelles technologies et qu'on n'ait pas tous les ans à réinvestir des centaines de milliers ou des millions de dollars à constamment renouveler les technologies qu'on veut explorer et expérimenter en scénarisation d'apprentissage. Donc, des commanditaires et des partenaires pour l'achat ou le renouvellement de technologies. On veut également créer des fonds, donc un fonds de créativité pour faire venir en résidence des enseignants, des chercheurs, des étudiants d'autres provinces. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on trouvait des commanditaires pour créer un fonds de créativité et même payer les frais de déplacement d'enseignants ou de profs à l'extérieur de l'Ontario, on aimerait vraiment que Innova devienne vraiment un lieu de regroupement et de rassemblement pour stimuler l'innovation. Donc, quelque part, être une espèce d'incubateur de l'innovation, mais accessible à toutes les communautés francophones en milieu minoritaire. On veut aussi se créer un fonds événementiel donc pour l'organisation de conférences, donc que ce soit au niveau national ou international, donc un fonds événementiel. Et on veut aussi créer justement un fonds pour le programme étudiants partenaires, donc pour venir inviter et évidemment financer le travail d'étudiants qui travailleraient donc dans la conceptualisation au co-design avec des enseignants et puis avec des professeurs. Donc voilà un petit peu les intentions de la recherche de partenaires et de commanditaires. Je regarde l'heure, 12h31, parce que je veux laisser suffisamment de place pour les questions, les commentaires, mais surtout les suggestions, parce qu'on a probablement oublié des choses qui seraient très intéressantes et pertinentes. Donc comme je vous l'ai mentionné, on a déjà des projets et des partenariats qui sont en cours. Donc, on travaille pour cet automne à l'époque de l'inauguration, donc au mois de septembre, on travaille sur un colloque sur l'intelligence artificielle en éducation. On a déjà un projet en cours avec la faculté de l'éducation au niveau de la formation des futurs enseignants. On a un projet aussi en cours avec la faculté de droit. Je ne peux pas vous en parler en détail encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à définir. Mais d'ici le mois de septembre, il y aura certainement des communications sur ces projets-là qui seront accessibles publiquement. On a également déjà deux projets de recherche avec des conseils scolaires de langue française. Et on a aussi un projet avec la Galerie d'art d'Ottawa. Il faut savoir, encore une fois,
qu'on ne veut pas se limiter uniquement à l'éducation, mais quand on parle d'éducation de langue française, évidemment, ça inclut les arts et la culture. Donc, on va aussi travailler avec les musées, les galeries d'art, les théâtres, qui ont tous des programmes éducatifs, qui accueillent également des élèves et des conseils scolaires dans certaines de leurs activités. On veut travailler avec eux, puis je peux vous donner l'exemple de la Galerie d'art d'Ottawa. Ils travaillent avec une artiste franco-ontarienne, donc qui développe des œuvres matérielles, si vous voulez, et qui est super intéressée par le numérique et par l'immersif. Et donc, on travaillerait avec cette artiste franco-ontarienne, donc une mise en valeur du travail d'une artiste franco-ontarienne. On va l'accompagner pour faire une adaptation de ses œuvres au niveau du cinéma immersif pour que les gens vivent une émotion artistique face à des œuvres visuelles à 360 degrés. Donc, on continue de nos discussions. On a eu également beaucoup d'intérêts énoncés déjà de la Défense nationale qui fait beaucoup de formations au niveau de la simulation. On a aussi beaucoup d'intérêts avec l'École de la fonction publique qui est très intéressée aussi par toutes ces technologies immersives. Mais on est très, très encouragé en tout cas par la réception que l'on a suite à nos différentes présentations. On espère dans les semaines et les mois qui viennent pouvoir faire de très, très belles annonces en ce sens. Voilà. Merci beaucoup, Hubert. Et maintenant, on a temps pour les questions. Alors, si vous avez des questions. J'ai vu une question dans le chat de la part de Robert Falcon-Ouellette et qui demande, je ne sais pas s'il est là, s'il peut prendre la parole. Oui, je suis là. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu qu'ils avaient changé la bibliothèque à l'Université d'Ottawa. Évidemment, j'ai pas eu chance d'avoir un tour encore de la laboratoire. Mais je veux juste, j'y demande quel type de projet ils ont pu faire dans ce laboratoire et c'est quoi les expériences exactes. Alors, je propose quelque chose que j'ai reçu pour les pensionnats autochtones, William 360, qui est Niche Media, basé à Québec, et c'est en français et anglais. Est-ce que ça, c'est un type de projet qui marcherait dans ça? Je ne sais pas, c'est quoi Oui, exactement où aller. tout à fait. Très honnêtement, comme on dit en mauvais français, sky is the limit pour l'instant. Donc, on veut vraiment accueillir toutes sortes de projets parce qu'on va bien évidemment travailler en agilité et tous les types de projets pour l'instant sont ouverts en tant que tels. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'entrer en contact avec moi, de me donner plus de détails sur le projet qu'on pourrait développer ensemble ici et de voir comment est-ce qu'on peut justement s'organiser pour ce type de projet. Mais comme je vous ai mentionné, on a mis beaucoup d'emphase sur les technologies immersives, mais au fur et à mesure des mois, on va beaucoup, beaucoup travailler aussi avec tout le potentiel de l'intelligence artificielle aussi. Donc il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on va aborder au fur et à mesure, mais je vous invite énormément à entrer directement en contact avec moi et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais en tout cas, ça m'intéresserait énormément et aussi également au niveau de nos équipes. Merci. Merci, Robert. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'ai une question à poser. S'il n'y a rien d'autre. Alors, Hubert, est-ce que vous pouvez discuter un peu plus de comment les membres de la communauté ou les institutions peuvent faire quelque chose pour aider à soutenir l'ouverture du projet Innova ou juste le projet en général? En fait, pour l'instant, la première chose, c'est faire connaître l'initiative Innova à travers le pays. Donc, on a déjà constitué une liste d'invités. Donc, en fait, je pense qu'on a beaucoup de représentants des ministères, des conseils scolaires, des collèges et des universités. Mais ce qui serait intéressant, c'est aussi que le corps professoral soit au courant de ces initiatives-là. Donc, on va, dans les semaines qui viennent, préparer une petite plaquette qui va être donc sur une page et qui va résumer un petit peu le mandat et la raison d'être d'Innova, d'expliquer en quoi et comment c'est ouvert à la communauté. Et par la suite, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent redistribuer dans leur propre réseau cette petite plaquette, ça aiderait énormément. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un mode d'écoute et d'ouverture.
à écouter et toutes les propositions qui pourraient venir et qui pourraient venir, encore une fois, non seulement stimuler l'engagement et l'apprentissage en tant que tel, et aussi promouvoir donc toutes les ressources en français disponibles, que ce soit l'élémentaire, le secondaire ou le post-secondaire. Et encore une fois, faut vraiment pas hésiter parce qu'on est nous aussi dans un processus donc de remue-ménage. Et il n'y a aucune idée qui est mauvaise en tant que telle. Sa preuve, on a eu des rencontres avec des partenaires externes et il y a eu plusieurs rencontres pour en arriver à un projet qui serait viable aussi bien pour le partenaire que pour l'équipe du SAEA et de l'Université d'Ottawa. Donc il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de mauvais concepts. Il faut entamer les discussions et les dialogues et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais pour l'instant, la table est mise, mais il n'y a rien sur la table. Donc, tous les projets sont les bienvenus pour l'instant. Non, c'est Alors, parfait. Et est-ce qu'il y a une site web? oui, alors justement, bah, attendez, je vais vous le donner. L'avais mis, c'était la dernière diapo. Mais regardez, je vais repartager mon écran. Bougez pas. Je vais repartager mon écran. Puis non seulement vous voyez mon écran ou pas? Oui. Vous voyez la diapo avec mes coordonnées? Oui, c'est ça. OK. Donc Robert, là, il y a mon adresse de courriel, il y a mon téléphone de l'université et il y a le site web d'Innova. Alors c'est un site web qui est en développement continuel. Parce qu'on continue d'écrire l'aventure et le projet Innova au fur et à mesure. On a encore beaucoup de choses à mettre en place, entre autres donc un système de réservation, le processus pour soumettre un projet. Nous, à l'interne, on doit mettre aussi ce comité de sélection et de validation des projets qui nous seront soumis. On a encore beaucoup de pages de ce grand livre à écrire. Mais toutes les semaines, on avance tranquillement et on est encore dans les temps, puisque je pense qu'on est à moins 140 quelques jours de l'ouverture et on sera prêt à temps, ça c'est définitif. Mais n'hésitez pas donc à m'envoyer un courriel ou à me contacter, puis on fera une petite séance de travail remue-ménage, non seulement pour voir la viabilité d'un projet, évidemment, penser ensemble au niveau des sources de financement, parce qu'on a des projets qui s'adressent soit à Patrimoine canadien, soit au CRSH ou à des fondations privées. On a toutes sortes de montages financiers possibles et inimaginables, et on peut travailler ensemble à aller chercher le financement nécessaire pour ces projets. Parce que vous savez que l'apprentissage immersif, c'est très beau, c'est très dynamique, c'est très engageant, mais c'est aussi très, très coûteux. Donc, quand on parle de petits modules en apprentissage immersif d'une trentaine de minutes d'activité, on en est très rapidement dans des montants à 200, 300, 400 000 dollars. Donc, faut savoir que on n'est pas dans le domaine du web, on n'est pas dans le domaine de la ressource numérique ou imprimée traditionnelle, mais l'apprentissage immersif, le développement et la production coûtent très cher. Mais encore une fois, l'argent, c'est possible d'aller le chercher, mais c'est surtout les bons partenaires, les bons objectifs et les bons projets qui font la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Sophie Gagnon de l'Université de Hearst. Très beau, c'était un très, très, très beau projet. Wow. Je suis impressionnée, j'ai l'impression que je regardais, c'était comme si j'étais dans les films où ils ont toute la technologie, mais là, c'est comme on va pouvoir le voir, là. Je suis comme ça doit exister quelque part. C'est le fun que ce soit en Ontario français que ça se lance. Je me demandais juste, tu sais, je peux penser, on n'a pas on n'a pas de programme de médecine ou de droit ici, là, mais tu sais, juste aller, est-ce que ça va être possible éventuellement d'aller faire comme une visite justement, de voir ces espaces-là, pas juste pour nous, mais comme partir avec une classe, aller à Ottawa, mettons, faire un projet, Tout à fait, tout à je vais fait. vouloir voir, mais tu sais, faire Oui. un projet d'une semaine là-bas où on travaille avec l'équipe, puis on, je sais pas, là, j'essaie de voir comment. Oui, non, c'est tout à fait faisable et réalisable et c'est aussi, ça fait partie de nos intentions. Et encore une fois, même au niveau des frais de déplacement et d'hébergement, on peut travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut financer ce genre de déplacement, etc. Mais OK. donc, l'idée, c'est qu'on pourra travailler ensemble à rédiger donc un document sur les intentions du projet, les objectifs du projet, qu'est-ce qu'on veut retenir les enseignants, qu'est-ce que vont retenir les élèves. On peut travailler là-dessus, puis on peut s'organiser pour travailler ensemble pour aller chercher du financement. Mais oui, on veut vraiment là que ce soit un espace ouvert à la communauté et qu'on y retrouve des intervenants de partout au pays.
et de l'université de Hearst encore plus facile parce que c'est quand même moins loin que, par exemple, la Colombie-Britannique ou le Manitoba. Mais ça nous fera extrêmement plaisir de vous accueillir. Et très honnêtement, même si parfois vous voulez, dans l'année 1, parce qu'évidemment, on va travailler aussi sur un plan d'affaires, mais si dans l'année 1, vous avez même un événement que vous aimeriez organiser à Ottawa qui n'est pas directement lié par rapport à un projet de développement de ressources, mais vous savez simplement retrouver, réunir vos équipes pédagogiques et en même temps qu'elles découvrent Innova et les technologies qui y sont, on est tout à fait ouvert aussi à accueillir des établissements, des organismes, des associations à venir à Innova pour leur réunion de travail, parce qu'en même temps, ça fera une promotion d'Innova, ils pourront découvrir les espaces et peut-être aussi découvrir et utiliser les technologies qu'on aura. Absolument. Parfait, merci. J'ai hâte d'aller voir. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a quelques minutes qui restent. Non? OK. Alors, merci beaucoup, Hubert, d'être ici aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'entendre parler de cet espace passionnant et j'ai hâte de collaborer, peut-être d'utiliser cet espace dans un avenir proche pour notre communauté. Et merci aussi à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui et j'espère que vous passez une excellente après-midi. Au revoir et merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.